Pour l'heure, l'actualité, l'événement de la journée s'est déroulé sur l'hippodrome de Vincennes cet après-midi avec la 72e édition du Prix d'Amérique. C'est l'épreuve reine du trot français et elle a été remportée par la jument Queen L. Ça, c'est une chose. L'autre aspect, c'est tout ce qui donne un air de tradition au Prix d'Amérique et notamment la foule qui s'est déplacée en masse pour la fête populaire du cheval et aussi pour la bonne cause. À la pariture, les talons, les talons! Ils étaient 30 000 cet après-midi à Vincennes. Certains venaient de province ou de l'étranger pour 25 francs seulement, somme intégralement reversée à Médecins sans frontières. Le Grand Prix d'Amérique, 72e édition, reste une course très populaire. Vous venez d'où ? Belgique. Quelle ville ? Namur. Namur. 375 km. On entend énormément de langues étrangères. C'est bien un prix d'Amérique, ça veut dire qu'il doit y avoir du monde partout. Et puis en plus de ça, comme on est européen, alors... Curieux d'un jour ou turfiste sérieux, le Grand Prix d'Amérique mélange les styles. C'est aussi ça, son charme. 50 placés sur le 9, le 11, le 12, le 13, le 14 et le 16. Madame a gagné car elle a tout compris. Au Prix d'Amérique, on joue comme on aime.